Découvrez le portrait de l'artiste Valet dans l'émission West Indies Chronique. Valet est un chanteur de reggae dancehall qui est né en 1978 à Fort-de-France en Martinique. Il commence à chanter à l'âge de 13 ans dans la cour de son collège où il connaît un vif succès. À 15 ans, il découvre les sound systems et représente son quartier Trenel Citron. En 1999, il chante pour la première fois sur une compilation où il y interprète le titre « Le bruit des chaînes » qui le fera connaître. En 2000, Valet sort le titre incontournable « Fleur de Lys » et en profite pour imposer son style de Sinjai avec le titre « Eye and Eye ». En 2001, commence l'épopée Sahel and Friends dans la grande écurie Duns Music. En 2002, Kali lui propose de participer à un nouveau concept intitulé Belay Boom Pap, un mariage entre le belay et la musique urbaine. Entre 2003 et 2012, sortiront plusieurs compilations, albums et singles. En 2004, le producteur Don Miguel offre au public la chance de découvrir Valet sur un concept intitulé Dual Shock. En combinaison avec Sahel, il compose le tube des vacances 2004, XS Love, et seront nominés au prix SACEM 2004 dans les catégories Meilleur Reggae Dancehall et Succès de l'année. En 2006, Valet décide de s'autoproduire et enregistre son premier album solo, Met a Powell. En 2007, Valet reçoit le prix SACEM du meilleur reggae dancehall. En 2009, il devient le fondateur du collectif Armada, composé de Sahel, Lieutenant et Plin Pyromane. En 2013, pour faire plaisir à son public varié, Valet sort un album composé de deux volumes, intitulé Valet de Pique et Valet de Cœur. Et pour ce début d'année 2014, Valet nous dévoile son clip Odd Gyal. Restez connectés.